Ladies and gentlemen, can I ask you to take your seats as quickly as possible? Donc, messieurs, dames, est-ce que vous pouvez vous vous asseoir? Je vais vous présenter notre président de séance de la session maintenant, qui est Sarah Brown. Beaucoup d'entre vous connaissent, qui a de multiples titres, qui est membre actif du comité du Royaume-Uni du Corpus Vitrearum, qui dirige une école de formation à la conservation des vitraux à York, et qui est également responsable de l'atelier de restauration des vitraux de la cathédrale d'York. Donc nous la remercions beaucoup d'être présente ici aujourd'hui. Elle est enfin, un dernier titre que j'allais oublier, elle est également membre du Comité scientifique international pour la conservation des vitraux, auquel elle nous apporte une grande aide en assumant le rôle de secrétaire générale. Donc merci Sarah d'avoir accepté de présider cette session. Thank you very much, Isabel. Well, ladies and gentlemen, after our oui, well merci beaucoup, Isabel. And very much Après appreciated notre coffee break, pause café we are bien mérité, nous allons poursuivre notre étude des nouveaux développements dans la conservation et la restauration. Et j'ai le plaisir de vous présenter deux grands amis, des collègues. Bon, premièrement, il y aura Virginia Raguin, professeur. Elle a souvent pris la parole lors de nos séminaires. Elle est Distinguished Professor of Humanities au College of the Holy Cross à Worcester, dans le Massachusetts. Elle a beaucoup publié concernant le vitrail de toute époque. Elle vient de terminer et mettre en ligne l'inventaire des vitraux du 19e siècle aux États-Unis et bien entendu en tant que membre du Corpus Vitrearum aux États-Unis. Beaucoup publié. Deuxième oratrice, c'est Léonie Saliger, qui à l'heure actuelle est directrice de la conservation à la cathédrale. Elle dirige cette équipe depuis 2006. Elle est membre de cette équipe depuis 1991. Elle était apprentie dans la fabrication et la conception du vitrail, donc elle connaît bien les métiers, mais maintenant, elles vont nous parler de la façon dont on pourra utiliser des technologies modernes pour revenir à l'avenir. Donc, elles vont parler d'un voyage dans le temps virtuel pour... Thank you very much, Sarah. And indeed, this is a wonderful conference. I want to thank everyone who has spoken ahead of time. Vitro peint. Bon, c'est un séminaire formidable. L'ensemble des présentations ont été très intéressantes et nos discussions ont été vraiment très stimulantes. Et surtout, j'aimerais remercier Réunie de son travail formidable qui a cristallisé et
beaucoup d'intérêt, y compris de ma part. Bon, les pertes de la peinture qui nous font perdre le sens, mettent au risque les vitraux qui pourraient être ignorés, restaurés trop ou mis de côté. Mais souvent, avec les vitraux de la Renaissance, notamment les restes de la peinture sont encore visibles en tant que fantôme, ghost, ce qui nous permet de récupérer le détail perdu et on pourrait soit sur une feuille de verre ajouter la peinture ou on pourrait éventuellement appliquer de la peinture à froid au revers. Il y a des limites, cependant. Même à la suite des consultations, la validité de la repeinture, des retouches, dépend du talent de peintre. La conservation de la verrière est de l'église de Saint-André à Gatton montre ce qu'on peut faire avec la technologie virtuelle par rapport à une approche de réintégration manuelle pour retrouver le détail perdu. Construite au XIIIe siècle, l'église de Saint-André a été modifiée de façon importante au cours du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Les vitraux comprennent trois verrières du XVIe siècle importées des Pays-Bas, Flandres, au début des années 1930. Les vitraux ont été installés par le nouveau propriétaire, John Monson, qui avait acquis le terrain et l'église, le domaine, en 1830. Quelques années plus tard, on a une image. Donc, le thème de la verrière est et le Pâques juif. Monson's extensive remodeling. Donc, le remodelage du nouveau propriétaire, Monson, comprenait l'installation des meubles du and Ghent in present-day Belgium. Des Pays-Bas, y compris les stalles de Aarschot et de Ghent en Belgique. Bon, c'est Léonie qui va parler des interventions virtuelles. Donc, Virginia reviendra, ne vous inquiétez pas. The stained glass of the east window. Whoops, I'm going the wrong way. Voilà, je veux aller dans le bon sens. La verrière est avait fait l'objet du remplacement des plans et cela avait été lors de l'installation en 1834, on a ajouté des parties supérieures et on a ajouté des lignes. Les plans avaient été abîmés. Et certaines pièces étaient perdues. Depuis l'installation, il y a eu des pertes extrêmes de la peinture au point où cela était illisible. On a ajouté une deuxième couche de verre à l'extérieur, fabriquée à partir de verre moderne. Donc là, vous voyez, après avoir enlevé la grille de protection, et voici ce qu'on voit de l'intérieur. Donc, l'image devenait assez confuse. Donc, voici ce que je voulais vous montrer. Donc, là, vous voyez les ajouts et quelques nouveaux morceaux de verre. En 1971, ça devenait tellement illisible qu'on l'a décrit comme une image de saint, surtout, image décrite comme étant fragmentaire. Donc, en fait, il y a plus de 90% du verre de la Renaissance qui reste. On a pu financer les travaux grâce à un don privé et également l'argent de la loterie britannique. Et les travaux ont eu lieu dernièrement en 14 et 2015. Lors d'une étude d'État
en 2012, on a vu des fantômes, des vestiges de la peinture à l'extérieur. On a prévu de réintroduire quelques éléments. La tutelle acceptait cela uniquement si on pouvait passer par chaque phase. Mais en fin de compte, on a rejeté cette proposition. On pouvait utiliser le plan d'origine à condition de l'incorporer dans un système plus fort. Mais avec les plans de 180 ans, on ne pouvait pas beaucoup faire. Donc, on a vu que les mains et les visages comportaient une couche d'oxyde de plomb sanguine. Et donc, on ne pouvait plus réintégrer à froid. On a décidé de traiter les panneaux comme des objets archéologiques. Consolider l'existant et de ne faire des ajouts que pour remplir les lacunes et pour réparer les plans existants. On a posé cela dans des cadres en bronze et on a utilisé du verre feuilleté à l'extérieur et réinstallé. Donc, tout cela ne peut pas se voir. Bon, il s'agit d'une façade qui est invisible de l'extérieur. On ne peut pas le voir de l'extérieur. Donc, on peut mettre de grandes feuilles qui vont renvoyer la lumière. Cependant, il y a un risque de vandalisme. Il fallait donc une barrière physique. Les conservateurs ont essayé de voir d'autres moyens pour remplir les attentes du maître d'ouvrage et des sponsors pour faire quelque chose. Donc, on a pris des lumières, la lumière rasante. Les meilleurs résultats avaient lieu les jours de, avec de, beaucoup de couvertures nuageuses. On a pris du prendre plusieurs images de chaque panneau pour montrer quelque chose. Donc là, vous voyez l'emplacement de l'église et les bâtiments autour. Donc, les photos à lumière reflétée sont hétérogènes. Là où le détail restait, on voyait beaucoup de détails. La corrosion de la surface du verre a eu un impact important sur la lisibilité. Je vais vous montrer beaucoup de diapos et ça ne va pas vous montrer comment on prévoit d'améliorer les images avec Photoshop. Donc, je n'ai personne ne m'a jamais appris Photoshop, donc tout ce que j'ai appris pour l'amélioration de l'image dépend de l'université YouTube. Je vous conseille YouTube. Il y a énormément de vidéos montrant ce que vous pouvez faire pour améliorer votre apparence et l'apparence des choses. Donc, voici la photographie d'une partie avec la lumière qui traverse et donc là avec la lumière reflétée donc il y a un angle bien entendu donc c'est pas un recouvrement parfait mais on peut jouer avec la transparence des couches avec Photoshop et donc on peut prendre la couche transparente on peut l'adapter pour avoir un recouvrement parfait donc vous voyez as it is in transmitted light and the rest is overlaid now with the reste, reflected light image. À l'image, à la lumière reflétée and then you enhance that, you bring out the contrast dessus. More. Après, on va augmenter les contrastes. And then
You merged et the two après, layers. On va fusionner les deux couches. Donc là, c'était la grande découverte quand j'ai découvert l'option de mélange blending. Donc, on peut garder le détail avec le contraste et on peut le fusionner avec les couleurs, avec la lumière qui passe à travers. Donc, l'image est souvent un peu fade et donc il faut augmenter la brillance après. Donc, on a vu assez rapidement qu'on aurait un résultat hétérogène si on utilisait les options. Donc, on a joué un peu avec en utilisant beaucoup de méthodes selon les zones. Parfois, on peut montrer le détail assez rapidement et dans d'autres cas, il faut beaucoup de méthodes. Donc, c'est très marrant. J'ai passé des nuits entières à l'ordinateur pour découvrir des choses. Donc, des domaines où il y a eu des problèmes, il y a eu des zones de problèmes dans la robe de la femme, là, on ne trouvait pas de détails. Mais le plus souvent, on trouvait suffisamment de détails pour pouvoir voir l'agneau pascal. Et on voyait l'iconographie assez rare. Là, c'est la Pâque juive, mais on a le Christ qui y assiste. C'est le Christ de droite avec son auréole. Voici l'agneau pascal. On trouvait des petits bouts de détails et en fait, on voit une table de la Renaissance avec un tissu damassé avec l'agneau pascal sur un plateau d'argent. One final treatment was the removal of repair leads. In reality, on a enlevé les plombs. On a laissé l'ensemble des plombs in situ, mais on les a enlevés virtuellement. Donc, à gauche, vous voyez la derrière, restaurer, réinstaller sans aucune amélioration, aucune modification. Et à droite, vous voyez la restitution du détail. Ce n'est pas une image d'origine, mais ça vous donne suffisamment de détails pour lire et apprécier l'image. Donc, on a pu revoir l'œuvre d'art comme un ensemble. Il s'agit là d'un espace architectonique avec des personnages sculpturaux. Donc, ce n'est pas l'apparence d'origine avec les couleurs, les profondeurs d'origine. Quelques morceaux réinstallés avant 1930 qui avaient été prévus pour être harmonisé avec le verre d'origine aurait permis de trouver des nuances. Bon, bien entendu, il y a eu des décisions subjectives lors du traitement concernant l'étendue et les types de modifications, mais cela élimine le risque de mauvais dessin ou d'une mauvaise interprétation. Vestiges. L'ordinateur ne permet que d'améliorer ce qui existe. Bon, bien entendu, il y a également une exagération des dommages de la corrosion sur le verre. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est que ce sont des améliorations virtuelles et le verre existe toujours. Donc, cela va avoir un impact, surtout où il y a de grandes zones avec des pertes de peinture. Là où il y a des pertes ponctuelles, on pourrait réintégrer. Cela permet aux peintre ce verre de visualiser ce qui pourrait être fait. Cela élimine les impacts des tendances lorsque on essaie de réintégrer avec notre travail à la main. Bon, la plupart d'entre nous peuvent déceler les éléments faux du
du 19e siècle et des années 1970. Et je suis certain qu'un peu plus tard, on pourra déceler nos orientations. Donc, ce qu'on fait, c'est de mettre à la disposition des visiteurs de l'église des cartons qu'ils peuvent prendre en main et utiliser pour se déplacer. Cela encourage un dialogue avec les vers et le contexte historique. Et maintenant, je fais appel à l'historienne de l'art. Donc, le dessin restauré permet d'identifier le rite de la Pâque juive décrit dans le livre de l'Exode. Voici comment vous allez fêter avec vos vêtements. Dans les ceintures, vous tenez votre canne à la main, mangez rapidement. Il y avait beaucoup d'images dans les textes juifs de l'époque médiévale, y compris dans l'Agada d'or de Barcelone de 1920. Et il y a à la page 14 d'un livre dessiné par Van Dyck, on voit cela et ça correspond à ce qu'on voit dans la verrière. Les hommes, des femmes sont debout, habillés et tiennent à la main leur bâton autour de la table. Dans les deux cas, l'architecte joue un rôle important. La situation centrale de la verrière derrière l'autel a une signification religieuse. La messe peut se célébrer avec en arrière-fond la Pâque juive qui rappelle le Saint. Baron Munson. Le Christ est présent. Donc, le baron Munson a pu installer une image catholique dont l'image est cachée parce qu'il y a cette narrative historique. Donc, il a pu éviter des pratiques et les excès de les pratiques catholiques qui n'avaient été légalisées qu'en 1829 au Royaume-Uni. Auparavant, on ne pouvait pas pratiquer la vie catholique de cette façon-là. Bon, en ce qui concerne les aspects stylistiques, ça provient apparemment des Pays-Bas de 1530. Pendant la Réformation, il y a eu beaucoup de éléments mis sur le marché, et on y reviendra tout à l'heure. Pevsner dit que l'Église est remplie avec des restes de Pays-Bas, où on a des aspects de la Renaissance. D'après la tradition, cela provient d'une abbaye bénédictine de Gand. Il y avait deux abbayes du 7e siècle qui conservaient des meubles vendus lors de la Révolution française. Donc, certaines sont probablement en provenance d'une église d'Aarschot. Pevsner disait, avec cette atmosphère de chapelle somptueuse privée, détachée de sa grande maison, ça fait partie des meilleurs du pays. La verrière sud de la visitation provient d'Aarschot, d'un lot vendu en 1833. Il y a une fenêtre du même cycle qui restait en place jusqu'à sa destruction au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a l'arme de
dame Annale avec la devise de son mari. Guillaume de Croix et Marie-Madeleine de Hamel avec leur armoirie sont illustrées dans deux lancettes qui sont associées à Nicolas Rambaud, qui remontent probablement à 1520 et qui autrefois étaient dans l'école de rugby et maintenant sont dans le VIA. The Passover is more advanced than the visitation. Est plus avancé sur le plan stylistique de la visitation et pourrait provenir de notre endroit. Et cela ne figure pas dans l'inventaire du XVIe siècle d'Archat, ni dans les décisions de l'Église d'Archat de vendre des verrières entre 1830 et 1851. L'expression maniériste, visible dans la torsion des corps, était prévalente en France et dans les Pays-Bas. Saint-Michel and Gudule's Blessed Sacrament Chapel là, on a la chapelle de Sacrément, Saint-Michel et Saint-Gudule, qui contiennent des verrières d'après von Orley, de 1530 environ. L'architecture extraordinaire qui domine la composition montre également des personnages puissants devant un fond noir. Là, on voit Saint-François et les donateurs avec une architecture qui est semblable à ce qu'on voit dans la verrière de la Pâque. Lors des restaurations du 19e siècle, beaucoup de fragments endommagés ont été enlevés et on a mis en place des copies peintes d'après les originaux. Si on compare avec la chapelle de Garton, on voit des proportions analogues avec la bouche puissante et les grands yeux. De façon paradoxale, l'effort de conserver les verrières belges au cours du 19e siècle par des artistes tels Caponnier, et on a un poster magnifique concernant les travaux de Caponnier au Royaume-Uni, et souvent ils enlevaient les fragments d'origine et les remplaçaient par des copies. Et on sait que Jean-Baptiste Houdino a fait la même chose en France avec le corpus important des verres de la Renaissance dans domaine. On a la chance s'il n'y a que 10% de verres d'origine. Avec la technologie numérique, on peut créer des images qui vont enlever les plans de réparation qui vont réunir des panneaux et dans une seule verrière, comme on voit dans la chapelle de Garton, on peut faire revenir les dessins perdus sans intervention par des peintres modernes. Ici, on voit la Renaissance d'une verrière magnifique. With many thanks to Jean Guido Braal for his contributions, and I thank you for your close attention. De ses contributions, et je vous remercie beaucoup de votre attention. Well, ladies and gentlemen, I think if we were not already persuaded, we can now see how important it is and how critical condition can be to our understanding and appreciation of work. And we've also had a masterful display of how conservators and artists working together can enable the more general public, those who don't yet share our passion for stained glass, to engage with this marvelous medium. I think we've also perceived some of the challenges and the relationship le vitrail. Et là, on voit aussi les défis entre ce qui est réel
et ce qui est numérique et virtuel. J'aimerais ajouter quelque chose à titre personnel. Donc, j'ai participé à la restauration de la verrière de l'université Harvard. Là, il s'agit d'une verrière de Edward Expery, 1901, donc avec deux têtes. Donc, Philip Brooks, gauche, representing là, Bernard de Clairvaux, Bernard de Clairvaux, la forteresse protestante, l'université Harvard. Et donc, c'est Bernard de Clairvaux qui a prêché la guerre civile, la guerre entre les États, et donc il était le soutien du Nord. Et donc, là, vous voyez une image. Donc, est-ce qu'on peut agrandir là? I am now not as happy now. Donc, je suis moins content as maintenant when we put it in. Qu'au the moment où right on l'a réintégré. Le visage à droite, on l'avait laissé en l'état. Donc, on l'avait dessiné. Et là, vous voyez. Bon, bien entendu, but c'était sur les feuilles derrière. Mais maintenant, pour moi, ça cloche. D'une façon ou d'une autre, ce n'est pas juste. Et bon, bien entendu, le peintre était très talentueux. This is now their new technology. Voici la nouvelle technologie, et je suis de plus en plus content de voir cela en tant que parce que moi je suis un pénitent maintenant, et je repentir. Donc, si vous avez des questions, on a des micros. I cannot believe. Yes, I see a hand. D'accord. Ici. Yes, Linda Kvarnström from Sweden. Bon, Linda Roach de la Suède. Bon, c'était une présentation très intéressante. Nous avons beaucoup de verrières qui ont perdu de la peinture en Suède. Donc, je vais passer des heures à étudier YouTube, sur YouTube. Mais quelle a été la réaction du maître d'ouvrage de votre client? Parce qu'il ne voit qu'une image virtuelle. Souvent, les clients veulent que ce soit plus beau et tout nouveau. Non, le client l'a adoré. How much we assume that je that is me demande si on ne va pas trop loin en pensant que le client veut cela. En tant que conservateur, je pense que nous avons une mission de formation, d'éducation et d'explication, de faire en sorte qu'il visite les ateliers pour voir ce qu'on peut faire qui dépasse ce qui était prévu. Et dans la verrière Gatton, même si la tutelle English Heritage avait permis d'aller à la limite, ils auraient peut-être permis de rajouter une ligne pour un nez, une entrée pour un doigt, et c'est tout. Mais là, on va laisser intact la verrière et il y a l'image, donc les gens se promènent avec petit panneau. Les gens le prennent. Oh, yeah, bon, nous avons le fichier TIFF s'ils veulent le mettre sur iPad. Donc, les gens le prennent en main et regardent en comparant à la vitre. Donc, c'est une autre façon de découvrir les verrières. Can you hear me? Yeah. Bon. My name is Joost Kahn from Antwerp University. I'm here. L'université d'Anvers. Congratulations with your work. It's really wonderful and fascinating. Having a good digital reconstruction in your hands, has it been considered to project it on the window? Because technically it's possible to project it, not all the time, but for instance, if tourists, visitors enter, and they can switch a button and say, okay, I have a look as it looks now in its deteriorated condition, but they can also have a projected image and then switch it off again. Technically it's possible, and it would be wonderful
c'est possible, sur le plan technologique, et cela représente un exemple formidable d'une restauration virtuelle. Bon, si vous voulez vous lancer là-dedans avec vos étudiants, allez-y. Bon, on m'en a parlé à quelques reprises, mais tout simplement, je ne connais pas la technologie et je n'ai aucun budget pour cela. Mais ce serait très bien, on devrait le faire. Allons-y. Drew, et puis de l'autre côté. Drew Anderson, Metropolitan Museum. En 2009, j'ai fait quelque chose d'analogue. Reintroducing lost detail on a ghosted image for a face of a Henry Sharp window, and it was published du détail perdu sur le visage d'une fenêtre d'Henry Sharp. Things that I looked into, cela fait l'objet d'une publication. Mais j'ai étudié autre chose sans pouvoir aller plus en avant. J'utilisais des images en noir et blanc et j'ai pensé à la possibilité de simplement projeter ou faire imprimer la photo sur le Is that something that you think is possible now because you're using color? On a fini par and I know, or at least I think it might be possible now to print mais onto maintenant, vous faites ça en couleur. Je pense que maintenant on peut éventuellement imprimer sur l'altuglas, le plexiglas. Est-ce que vous pourriez faire cela pour réintroduire le détail des visages et des mains? Est-ce que vous y avez pensé? Bon, je pense que cela est tout à fait faisable, mais ça donnerait une reconstruction peu homogène. Sur la verrière Gatton, il y a une telle perte globale de la peinture. Je pense que ce serait mal faire les choses si on n'ajoutait que quelques détails, et j'aurais des doutes concernant le plexi. Mais oui, bien entendu, il y a des verrières où il n'y a que quelques éléments qui manquent, les mains, le visage, par exemple. Je dois dire que j'ai vu des photographies imprimées sur du verre, et bon, vraiment, ça a l'air d'être quelque chose d'imprimé. Bon, pour revenir à ce que avait dit Léonie concernant la formation et l'éducation. Donc, bon, moi, en tant que professeur, bon, là, vous voyez, Léonie, compte tenu de ces... tout cela. Bon, donc, bon, si vous avez un client et si Léonie leur explique qu'ils sont vraiment dans la vague de la technologie, il faut faire en sorte que les maîtres d'ouvrage, les clients, visitent les ateliers pour qu'ils... vraiment accepte tout ce que vous faites. Surtout si vous êtes en train de dire, bon, prenez le recul, prenez besoin de faire tout cela. Donc, il faut que vous dialoguez avec les gens pour qu'ils regardent l'image et puis qu'ils regardent la verrière, pour qu'il y ait une sorte de dialogue entre cette partie éducation et cette partie avec les objets. On devrait faire cela de plus en plus dans les musées et avec les iPads, on peut faire en sorte que les sites soient des éléments animés. Dernière question. Je trouve les idées précédentes de projection vraiment très bonnes et je me disais que même aller plus loin que ça, par exemple à Cluny, les touristes peuvent se balader avec des iPads, voir les modélisations 3D de ce qu'était avant le lieu. Je pense que ça peut être développé pour les vitraux qui n'ont pas été restaurés de la même manière, où les touristes pourraient aller voir les verrières avec leur iPad, visualiser ce que vous avez réalisé sur Photoshop, et que ça peut être même agrandi, et même pour les vitraux qui ont été restaurés dans n'importe quelle église ou cathédrale, où les touristes pourraient se balader avec leur iPad et même zoomer, regarder en détail les œuvres. Voilà, c'était une simple remarque, toujours dans les mêmes idées de projection. Très bien. Splendid. Well, ladies and gentlemen, I think we need to draw this particular session to a close. Très bien. Donc, messieurs et mesdames, je pense qu'on doit conclure là, et je vais demander de remercier les deux oratrices.
Well, at Gatton, of course, we have encountered the consequences of the loss of the patrimony of one country, very much to the benefit of the patrimony of another. Our next presentation is going to show the process in reverse. Mais maintenant, c'est le retour, c'est le contraire Rimbaud que nous allons voir. Mark van der Aura. C'est Aura. I hope I haven't murdered his name too atrociously. A letter, of course, we all know from her long-term involvement in the Corpus Vitreorum. She studied both art history and stained glass conservation, and following her studies in 1996, she started her own consulting business and conservation studio in Ghent, where she continues to live and work. She advises on a variety of projects. She specializes in high-level documentation. I am also personally grateful to her because she has hosted a number of our students from the University of York. She is a member of the Corpus Vitreorum in Flanders and vice president of the International Scientific Committee for the Conservation of Stained Glass. Mark is an architectural engineer and master in conservation. In 1997, he started to work as an independent conservation architect. And in more recent years, from 2010, together with his colleagues Pete Stevens and Sophie Bayon, he founded the multidisciplinary office Studio Roma. And they have come together to work on an extraordinary project which seeks to reinstall dispersed glass from the Abbey of Park Abbey in Haverley, just outside Leuven. And they're going to talk to us this morning about an extraordinary multidisciplinary collaborative project to explore this amazing masterwork of Jean de Caumont and the consequences for conservation and re-engagement with the original location. Thank you. Pour la conservation et réinsertion de ses œuvres. Good morning. Before I start the presentation, I would like to thank the organizing committee for inviting us to speak about this ongoing research project. Thank you very much. I will briefly present the site and give an introduction to the overall restoration project. After this, Aletta will tell you more about the history, the results, and the challenges of the ongoing research regarding the stained glass windows. Park Abbey is one of the four abbeys of Leuven, which is the main university town in Belgium. This abbey is certainly the largest and also the richest in cultural value among those four. Le plus grand et le plus riche en ce qui concerne les valeurs situated at the outskirts of the city, the construction of the abbey started in 1129 by the Premonstratensian order, following the classical principles of the plan of Saint Gall. Four groups of buildings relate to the main functions, contemplation, agriculture, small industry, and care for the poor and the sick. They are spread out over the domain in hierarchical order, following the terrain elevation and interrelated through roads, gates, and walls. Ils sont en rapport avec les routes et les murs. Due to the lack of recruitment during the past decades, the community experienced more and more difficulties in maintenance of their patrimony. In 2003, they decided to give the largest part of the abbey in a long-term lease to the city of Leuven. Together with the Flemish community and other partners, our office started a project for the restoration and partial reconversion of the abbey. The aim is to keep the religious function next to housing for the remaining fathers and for students of the Faculty of Theology. There will also be a museum for religious art, a center for polyphonic music, and a community center. Apart from the gates and the church, the whole project should not take more than 8 years.
va durer à every peu phase près in the project is carefully prepared through intensive research, which gives us a broader insight into the rich history of the Abbey and its community. Cela nous permet de voir l'histoire extrêmement riche. Many discoveries have been made, including architectural elements dating probably back to the 13th century. So every century has left important traces in the Abbey. The architecture we see today was built mainly in the 17th and 18th century. Among the most important features, we find the library and the refectory with a decorative stucco ceiling by Jan Christian Hanske, created in 1672, which depicting episodes of St. Norbert's life. He might have found inspiration in the stained glass windows in the cloister, because these are older. The original windows were sold by the canons in 1828 due to uncertainty after the closing of the Abbey by the French Republicans during the Revolution. After the sale, they were distributed all over the world. Ils ont été distribués un peu partout dans, thanks dans to le the monde. Efforts of the Flemish government and the friends of Park Abbey, many panels have already been returned to Leuven. In 2013, we initiated a huge research project in order to investigate whether the panels could return to the cloister, how we could deal with the missing parts, and how the restored panels could be presented to the public. After a competition, an international team led by Arletta Rimbaud was appointed to carry out this investigation. Sous la direction de Arletta Rimbaud, the idea is that this research team collaborates with the architects team by working out the detailed principles and guidelines for the conservation restoration treatment, a technical solution for the panels that remain elsewhere or which remain unknown, and a design for a hanging system aimed at the preservation of the ferramenta, the stonework, and the stained glass. Spécial qui a été développé pour la conservation et pour éventuellement la restauration ou remise en place de ces panneaux. Five years ago, colleague Ellen Chatel gave at a colloquium in St. Petersburg a paper on Americans who collected these windows from Park 100 years ago. Now many of the panels have returned to Leuven. And it's time to concentrate on their reinstallation in the cloister after more than 180 years of absence. The cloister was built in two campaigns. The rebuilding started in the 1560s and was interrupted due to the religious wars in the mid of the 16th century. At that time, only the east wing was finished. When an overall stability came in the first decades of the 17th century, Abbot Johannes Maas finished the cloister by building the other three wings. In 1635, he asked Jean de Caumont from Leuven to install stained glass in the openings. The oeuvre of de Caumont consists of three different scales. First, monumental stained glass, like some panels in St. Peter's Church in Leuven. Second, semi-monumental glass, including the Park Abbey glass, and single panel, and lastly, roundels. 41 stained glass windows depicting the life of St. Norbert were inserted in the cloister between 1635 and 1644. For the glazier, this commission was the highlight of his career. The iconographic program for the cloister hails
centered on scenes from the life of Saint Norbert, founder of the Primus Stratensier, or Norbertin order. De Caumont was inspired by a series of 34 engravings attributed to Theodore and Cornelius Galle of Antwerp, the earliest known edition of which is dated to 1622. The central panel of each window démarre en 1622. D'après la datation. The central panel of each window depicts a scene from the life of Saint Norbert, which is explained in a Latin couplet or distich in the bottom panel of the window, which also includes the date of the window's completion. At the top of every window is the heraldic sheet of shield of one of the abbots. Two venerated Primus Stratensians stand on either side of the central image. The windows are mainly made of clear glass with multiple layers of grisaille, silver stain, and richly colored enamels. A border of clear glass surrounds the entire image. The surrounds display several different cladding patterns in alternation. Le vert transparent. A lot of enamels. Beaucoup d'éléments. And the border clear glass. Et vous voyez la in different patterns. En vert clair. Several decades after the confiscation of the abbey in the French Revolution, the canons acquired Park Abbey again, not foreseeing any chance to resume their common life, and in order to refund repair of the buildings, they decided to sell some furnishings and works of art. In 1828, Jean-Baptiste Dansart, a wealthy shipping magnate from Brussels, bought the stained glass windows of the Cloister Ales. After his death, his three daughters inherited the 41 windows, which was the start of the dispersal of the series. Some of the glass remained in Belgium, but a large proportion of it was exported to Paris, and perhaps London, from which it eventually found its way to the United States. It ended up in museums in New Haven, Washington, and Louisville. In the process, many panels were rearranged or slightly altered to fit into existing window frames. In the 20th century, four reasonable complete windows were returned to the abbey. The association Friends of the Abbey also succeeded in buying a few single panels. Eight central scenes and surroundings panels that were located in the Yale University Art Gallery collection in the United States returned to Leuven in 2013, and six more are being prepared for shipment for Washington. Seven other remain in public or private collections. Altogether, the current locations of 27 whole or partial windows out of a total of 41 are known. Maintenant, 27 vitraux que nous possédons sur les 41 connus. The overall aim of the conservation process is not to reconstruct the missing glass, but to create an unified display of the entire series from extant glass. Archival research is combined with technical analysis and a study of the reconstruction and presentation possibilities for the extraordinary ensemble. This is a starting point of the conservation concept. The installation system will be flexible, allowing for the easy insertion of any original panels returned to Abbey in the future. In what follows, I want to go into some topics which are part of our ongoing research and which require further consideration before conservation can begin. With the return of a large part of the original stained glass, questions about the distinction between original material and later infills, panels currently jointed, and later additions arrive more than ever.
At first sight, the new ensembles and configurations of panels seem to belong together. Moving and splitting of the collection of stained glass as a consequence of inheritance and sales has led toward a reasonable, invisible, but massive chaos in the ordering of the panels. Preliminary research focused on several kinds of evidence, including historic documentation for the location of the glass and technical aspects of the materials used in order to return the windows to their original order. Ont été étudiés remettre dans les sections of this research are now being considered together. And will form the basis to make the right choices concerning future conservation treatments. I shall highlight two aspects of the research, the recomposition and the clear border glazing. D'abord, the article you found in your in the bag, so the article and the preprints are focuses on the ferramenta and the cold paint that was added onto the panels. We can identify the original location of most of the panels using primary documents, provenance history, visual sources, and the material condition of the glass. Since about half the original glass will be returned to the cloister on the completion of the conservation project, it makes sense to recreate the original compositions to the extent possible. Account books preserved in the archives of the Abbey record the delivery of all the windows. Nothing in many cases, either the subject of the central narrative or the name of the abbots whose arms were placed at the top of the window. This documentation is reinforced by the description of the work of the new cloister, written by Abbot Jan Maas's successor, Liber de Pape. The scenes from the life of St. Norbert were arranged in the cloister in the order suggested by 34 engravings, while the other seven probably follow the order of the text of the Vita Sancti Norberti, written in the 12th century and studied in the 17th. A life of St. Norbert in couplets, written by a canon of Park, served as a source for most of the distich panels and helped to clarify the order. The standing figures of Premonstratensian saints were arranged in pairs by rank with no evident connection to the central scenes. However, illusionistic frames painted on all of the surrounding panels display a great variety of patterns, allow us to place many of the side panels with the appropriate armorial and distich panels by matching the frames. References to narrative saints, standing figures of saints, and distich texts found in the 18th century burial records confirm the locations of narrative scenes suggested by the 17th century documents and help to locate some of the side figures. Old figures from the period 1880 to 1825 show the panels in different places. In the text section, I will come back to the topic, which is very interesting for the recomposition of the windows. The figurative representations in the glass are surrounded by clear decorative glazing in a variety of patterns. The original clear border glazing, however, is no longer present in the Yale panels or others returned to Park thus far. Some appears to be retained in the glass that was shipped from Washington into the fall. To create a fictional or real reconstruction of these decorative patterns, two types of documents are of priceless value. The first source comprises seven scale vidimi of the stained glass preserved in the Abbey archive. Six drawings show the structure of the stained glass, with one side finished in detail. In most, the standing figure, the architectural base and crown of the side panels, the edges of the distich panel, the borders around the heraldic shields, and the pattern of the clear border glazing are all shown in detail.
ici, these drawings prove that a clear border glass filled the entire window from top to bottom. Et nous voyons que de haut en bas, even in the summits of the lancets, les bordures en the seven clair. Design I showed you already show 15 patterns for the clear border glazing. Whether these were all applied is not clear at present. Pour, a second source that is extremely valuable for the clair, history of the stained glass consists of old photographs. Some from the Brussels dealer Muns are found in the archives of the Abbey. Others, in the Museum of the City of New York, show the windows just before the adaptations that were made in order to insert them into windows in the mansion house of William Whitney, designed by Stanford White on Fifth Avenue in New York. The clear borders were university altered. Some were cut in order to fit into smaller window openings, while others were replaced by new painted quarries, destroying the original lead pattern in the interest of harmony. So this is after adaptation. Et voilà, après l'adaptation, vous voyez, après l'ajustement, vous voyez ici. After adaptation. The new painted borders helped to dim the lights in the hallway, and the rest of the glass was darkened with a layer of coal paint to the same end. The conclusion, the outcome of the archival research and technical analysis makes it possible to offer solutions to problematic issues. The final presentation of the available original panels and their location in the cloister aisles, along with the suggestive presentation of engravings, recent and old photographic evidence, must create an honest, however perhaps illusionistic, image of the ensemble for the visitor. Much thought has been given to the protective glazing and to the mounting structure that allow the retention of the original stonework and ferramenta, including small casement windows. Because of the close proximity of the stained glass to the visitor, numerous trials will be performed before deciding on the final details, which must take into consideration the overall effects and the level of detail that will produce the most evocative relation between the historic glazing and suggestive depictions. Thank you for your attention. I'm sure you will agree with me, another really fascinating project in which representing deteriorated or lost stained glass is to the visitor, giving it meaning and returning it to its context is a very exciting prospect. I'm sure there must be some questions. We have our roving microphones. Who would like to start us off? It's difficult to see. Je suis sûre que vous avez des remarques, vous avez des questions et vous avez des micros aussi. I can't believe we have a stunned silence. Yes, we have two people in the front row. Il y a déjà deux personnes. They were just being polite. Devant, qui attendaient poliment, je suppose, de pouvoir lever la main. I'll just simply say thank you, thank you, thank you. This is wonderful. Merci, I mean, if we could ship more that's sitting in American basements, si we would be delighted to do that. Davantage yes. Yes, you heard that. This is very good. Thank you for all your collaborative work. It's been wonderful and all passionate. Ça sera formidable yes, et on devrait le faire. Et merci pour ce travail. C'est absolument passionnant de voir que cette collection est enfin réunie. Est-ce qu'il y a eu des efforts aussi pour récupérer la partie qui se trouve au Royaume-Uni? Non, pas encore, c'est la réponse. Ah, moi, je connais. Moi, je connais les panneaux. Je vais vous raconter plus tard.
Maybe I can add also that, of course, I don't do it alone. As Sarah mentioned it already, we are a whole team, comme Sarah l'a expliqué, so mostly everybody équipe, of the team is here. Et, I think la of Ivo, Berg, I think Sarah Jaren, Catherine Nestor, Alan Chortel. Et sends a lot of greetings to you from the States. N'a pas pu venir, il vous salue des États-Unis. So it's a good collaboration, of course. Donc, c'est une excellente coopération avec les architectes aussi, naturellement. May I just offer an observation? It occurred to me this morning, listening to our two presentations, one of the extraordinary things in both the Gatton and the Park Abbey project is the way that the glass has, as it were, been not only returned to public view, but it's also been reintegrated into a holistic display at Gatton. Sense is made out of all the other furnishings in the choir, and of course, having visited the Abbey with you recently to see the way in which the iconography of the glass relates to the refectory and the library. I mean, it's not just about focusing only on glass, it's actually about adding extraordinary meaning and resonance to an entire complex of buildings. And that, I think we perhaps, as people donc, focused on glass, sometimes undersell the importance that the glass plays in bringing meaning to much wider architectural contexts. L'édifice a acquis yes, un sens nouveau. Alors là, lady maintenant, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. La dame au milieu. Oui, bonjour. Joëlle Léonie, je suis architecte en Rhône-Alpes. Bon, je connais l'abbaye pour y avoir travaillé en tant qu'étudiante avec le Centre Le Maire. Bon, il y a plus beaucoup de prémontrés sur place, mais l'abbaye a essaimé dans le monde entier. Quel est votre rapport avec l'ordre des prémontrés dans ce travail? Est-ce qu'ils participent? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Ou est-ce que c'est complètement détaché? Maybe I can answer first. There are still a couple of Norbertans still living in the abbey, so they are using the refectory. They are using other parts of the building, and there is definitely an interest in it. And we work in situ. Ils viennent lorsque nous travaillons, ils nous posent des questions, ils veulent savoir ce que nous faisons exactement. Donc ils participent à leur manière. Le plus âgé, je ne sais pas exactement quel âge il a, 83 ans au moins. All his life in the abbey, toute sa vie, il a vécu à l'abbaye et il a des souvenirs. Some iconography or even relations, religious relations about the panels related to the functions in the abbey. So we communicate with him. Sometimes he remembers something. For the rest, now the city of Leuven is taking over the actual all-day control over the works. So it's they who make the decision. And there I have to say that the Prémonstratensians are more or less at the side. So they don't really participate in the discussion about the restoration principles. Sont présents, un certain nombre des occupants sont toujours présents sur site. This is about the educational value. I'm sure you're thinking of this, but maybe share it with us. How are you going to sort of present to the public the importance of the series of prints and the life of Saint Norbert? You already made it clear aussi, that you could not have all the windows would not be there. De Saint-Laurent, vous avez dit que vous attendez que tout soit réuni, mais alors comment peut-on donner une idée de l'ensemble du programme iconographique qui existait auparavant et quelle était sa relation avec la culture de l'époque? Là, naturellement, est en cours pour tout. There were 34 engravings where the windows are based on, but there are 41 windows. So you can imagine it's a huge puzzle. Mais nous avons 41 vitraux.
que nous avons récupéré. So we are taking everything apart. I mean, virtually. What is obvious is that the two panels in the middle, they can fit in another setting. Nous voyons que les deux panneaux ont retrouvé leur place. Here on the border, here is a border. It goes on the other continue. The panel with the armor of the abbot has at the bottom side has also the rest of the border, and then here is the distich. Also on the top of the distich panel is the same border. So. This is the first thing to puzzle. Then to puzzle two with the background. So ici, as I explained to you, this is not the original setting, but maybe is there an alternation of maybe five or six patterns of these, and this can be helpful to do the reconstruction too. And when the puzzle is completely done, maybe in some windows we will have no panels left. Les pièces. In alors others, peut-être maybe dans certaines window, fenêtres, nous n'aurons pas is de, there? De vitraux. Dans d'autres, so of course it's a big challenge to inform the people, and it's also important to make le défi consiste à informer le visiteur the setting as it was as a cloister. Reconstruire l'arrangement, si vous voulez, comment c'était au départ and so dans to le fill cloître, in the gaps, of course, et de remplir les lacunes. On pourrait avoir printing the engravings too, so there des gravures. Qu'on pourrait également montrer, mais naturellement, chaque fois que nous prenons une décision, nous donnons des explications à côté de chaque fenêtre. From the architect's point of view, we are also thinking about this question, which is already very complex as a question. We're thinking in many different ways without having a solution for the moment or an answer. Thinking nous about small prints, with text, with small pictures. Also the digital aspect is maybe an opportunity since the cloister will be incorporated in the museum circuit. Est également recently, étudié parce que le cloître fait partie d'un circuit we need de really musée. An elevator somewhere in the abbey. An elevator and a rescue staircase. And we found nowhere there was a place where we could integrate it without damaging historical materials. Mais nous pas so finally the decision has been made to take it outside a vertical staircase with the elevator. And now we're thinking about giving it the form, the shape, the materials of this vertical circulation. Since the cloister is the horizontal circulation, which divides all the circulation in the abbey, we were thinking now to make the vertical circulation also in glass, and maybe to have some reference in color in dimensions of the panels, referring to the historic stained glass windows, maybe even with prints of the historical situation, but it's still historique de ces vitraux. Donc nous pensons à I think in the interest of keeping to time and having some lunch, we probably need to stop now, but may I ask you to join me in thanking Mark and Aletta for a fascinating presentation. Ladies and gentlemen, may I now introduce to you our next speaker, Pierre-Yves Caillot. He is currently architect en chef des monuments historiques. He is going to speak to us about Strasbourg Cathedral, but he brings to this presentation a wealth of experience
He has been in architectural practice since 1987 and has specialized in the restoration of historic monuments and protected areas since 1992. He is currently architectural chef du monument historique for four départements, but for our purposes, of course, he's also overseeing work at the Cathedral of Strasbourg, which, of course, as many of us know, is one of the great jewels in the crown of French stained glass. Strasbourg, à la cathédrale où il y a des merveilles de vitraux, comme vous savez. Oui. Je ne vais pas vous prendre trop longtemps. Je sais que le repas est en train de nous attendre. L'heure du repas est en train de nous attendre. En charge de la cathédrale de Strasbourg depuis quelques années, 3 ou 4 ans en réalité, parmi les chantiers qui me sont offerts de diriger, il y a notamment la restauration du bras sud du transept qui correspond à l'arrivée de du style gothique, de l'architecture gothique à la cathédrale de Strasbourg. C'est donc un lieu très important de la cathédrale pour son histoire, et il se trouve que, ayant regardé les vitraux qui s'y trouvent avant de commencer à y réfléchir, je me suis rendu compte qu'on avait là une espèce de concentré de l'histoire des vitraux de la cathédrale, à la fois sur le plan technique et sur le plan de l'histoire de l'art. Et j'ai découvert à cette occasion un point auquel je suis très sensible, qui est le fait que le vitrail est aussi le lieu du remploi, le lieu de la recomposition. Alors on le sait bien avec tous les vitraux du 19e siècle, mais avec tous les travaux du 19e siècle, de restauration, de recomposition. Mais j'ai découvert à cette occasion que dès le 13e siècle, on avait su remployer des vitraux romans, des vitraux du 11e ou 12e siècle dans l'architecture nouvelle qui arrivait à la cathédrale de Strasbourg. Alors cette cathédrale bien connue pour sa flèche que vous voyez sur l'image que je vous présente, les également pour la qualité de ces vitraux qui sont en France le deuxième ensemble plus important de vitraux du Moyen-Âge, après ceux qui sont conservés à la cathédrale de Chartres, c'est ce qu'on dit. Non, je vois Isabelle Palot qui a un doute. En réalité, c'est ce qui est dit, et c'est vrai que c'est un ensemble qui est très important du point de vue de la quantité et de la qualité des vitraux du Moyen-Âge. Mais c'est aussi une cathédrale qui possède des vitraux antérieurs, des vitraux qui viennent d'ailleurs et dont l'histoire s'est prolongée, puisque encore aujourd'hui on est en train de créer un vitrail contemporain qui sera inauguré en septembre prochain. Si pour faire un résumé rapide de l'histoire des vitraux de la cathédrale de Strasbourg, on a donc encore en place, je vous les montrerai, des figures qui sont issues des vitraux du XIIe siècle, récupérées de ce qu'on appelle la basilique de Werner, qui est cette cathédrale dont en ce moment on fête le millénaire, le millénaire des fondations. Mais très rapidement, lors de sa construction, les vitreries sont construites en même temps que l'édifice, et notamment dans le bras sud, alors je ne sais pas si j'y arrive là, dans le bras sud du transept, qui est cette partie de l'édifice. Il existe notamment les deux roses qui ornent le sommet de la façade, qui sont réalisées en même temps que l'architecture. Donc ça, c'est un élément auquel l'architecte que je suis est très sensible, puisque nous ne concevons pas finalement les vitraux en les dissociant de l'architecture pour lesquelles ils sont conçus. Et il me semble, je fais partie de ceux qui défendent le point de vue selon lequel la meilleure place d'un vitrail est dans un édifice, même si il n'est pas à sa place initiale. Ce qui engage tous les problèmes de conservation, de restauration bien sûr d'abord, et de conservation, puisque effectivement ce qui nous
pousse quelquefois à aller mettre des vitraux dans des musées, derrière des vitrines, c'est aussi que dans l'édifice, la conservation des vitraux pose un réel problème. Ce que j'ai découvert également en prenant en charge cette réflexion autour de des vitraux du bras sud du transept de la cathédrale de Strasbourg, c'est que finalement les techniques de conservation qui avaient été prouvées notamment à la cathédrale de Chartres étaient arrivées très tardivement à la cathédrale de Strasbourg, puisque les premières doubles verrières ont été conçues il y a moins de 15 ans pour la cathédrale de Strasbourg, alors qu'ils sont nettement antérieurs pour la cathédrale de Chartres. Je pense que Isabelle Palot ne dira pas le contraire. Je ne connais pas les dates précises, mais je sais que la recherche a été initiée là-bas. Et les recherches autour des doubles verrières sur la cathédrale de Strasbourg ont été l'occasion d'un certain nombre d'expérimentations qui, je trouve, toutes intéressantes, mais même si elles ont été l'une ou l'autre sujet à quelques critiques. Et les doubles verrières qui sont en place, qui font l'objet encore aujourd'hui d'observations pour s'assurer que ce qui a été réalisé assure réellement la conservation des vitraux, étant donné que notre mission principale est bien sûr de transmettre ce précieux patrimoine aux générations futures. Grâce aux travaux des historiens, nous avons connaissance des élévations de cette basilique qu'on appelle la basilique de Ferner, qui est la cathédrale qui a précédé celle que nous connaissons aujourd'hui, et nous connaissons la dimension des fenêtres de cette basilique, et nous avons encore d'ailleurs conservé dans la cathédrale elle-même, sur certaines fenêtres, je vais vous les montrer, des personnages qui étaient installés dans les fenêtres de cette basilique romane qui a été détruite par le feu à la fin du XIIe siècle. Ces personnages ont été étudiés, recomposés, dessinés, restitués graphiquement par les historiens qui ont travaillé sur le sujet. Et certains de ces personnages, je vais vous les montrer, sont installés notamment dans les fenêtres de la façade est de ce bras sud du transept. C'est ce qui est coloré en jaune, excusez-moi, ça passe tout seul, c'est ce qui est repéré en jaune sur cette nomenclature, qui a été réalisée d'ailleurs par mon prédécesseur Christian Schmuck-Le-Mollard, sur lequel dont je tire beaucoup des informations que je vous présente aujourd'hui. Et ces personnages qui étaient dans des fenêtres beaucoup plus petites ont été assemblés deux à deux pour occuper les fenêtres beaucoup plus grandes qui correspondaient au progrès de l'architecture de cette architecture gothique. Donc vous voyez ici les images de ces personnages récupérés des vitraux romans. Alors ils sont pas tous du XIIe siècle, puisque certains ont été refaits, reconstitués jusqu'à un point tellement important qu'ils sont finalement entièrement du XIXe pour certains d'entre eux, mais certains d'entre eux datent de ces fenêtres romanes et témoignent de cette permanence du remploi dans la technique et la conception des vitraux, sujet auquel les architectes sont très sensibles, puisque vous savez que le remploi dans les monuments est particulièrement présent dans la charpente, un petit peu moins dans la pierre de taille, mais encore un petit peu, souvent dans la menuiserie, quelquefois dans les décors, quelquefois dans les décors portés, les décors peints, etc. Et pour le vitrail, ce que je trouve intéressant, c'est que autant notre confrère nous présentait tout à l'heure des décors peints retrouvés derrière d'autres décors, qu'ils soient en stuc, qu'ils soient en peinture, pour le vitrail effectivement il n'y a pas de superposition, il y a éventuellement le remploi, le réincrustement d'éléments plus anciens dans les baies nouvelles. Les deux roses sommitales de cette façade sud du bras sud du transept sont donc conçues en même temps que le transept. Malheureusement, là, on est encore en phase d'étude. Le chantier tarde un peu à démarrer, donc j'aurais eu plaisir à vous montrer des éléments restaurés, mais ça n'est pas encore le cas, malheureusement.
mais sont des vitraux remarquables que nous avons étudiés par l'intermédiaire de fiches, un peu à l'exemple de celles que je vous présente ici. Et sur cette image que vous voyez, il y a une autre fenêtre qui a été conçue au XIIIe siècle, même si elle a été revue, restaurée, complétée dans des époques plus tardives. En fait, c'est un grand vitrail qui est conçu et installé très près de la construction de cette partie de l'édifice. Et c'est encore une fois un argument auquel, je crois, nous, les architectes, sommes vraiment très sensibles. Les baies de l'ensemble de cette cathédrale ont donc suivi la construction, ont été contemporaines de la construction. Les restaurations qui ont été engagées ont suivi aussi le progrès des techniques. Je rentrerai pas là dans le détail. Ces travaux sont faits le plus possible en concertation et en dialogue avec ce que nous apportent les ingénieurs du laboratoire de recherche des monuments historiques, et notamment la réalisation des doubles verrières que je vais évoquer dans quelques instants est conduite dans une collaboration étroite avec le laboratoire de recherche des monuments historiques. Une caractéristique, à excuser la mauvaise photographie, mais une des caractéristiques de la cathédrale, c'est aussi cette confrontation entre des verrières installées dès la construction et des constructions qui se modifient. Et là, vous avez sous les yeux une disposition un peu curieuse, puisque ces fenêtres qui sont contemporaines de la construction de cette chapelle, qui est une chapelle latérale sud, la chapelle Sainte-Catherine, construite en 1340, est en fait confrontée à une voûte qui, elle, a été rebâtie à la fin du XVe siècle, si je ne me trompe pas, et qui donc n'est pas dans une cohérence parfaite avec la forme des fenêtres, qui sont des fenêtres en tiers-point quand on les voit de l'extérieur, et quand on les voit de l'intérieur, elles sont un petit peu mangées par la forme de la voûte. La cathédrale termine sa construction par la façade ouest, bien connue pour sa double peau, sa dentelle de pierre, et donc cette rose est contemporaine de cette construction finale. À Strasbourg, une autre église subit un dégât important et requalifiée, réaffectée à une autre destination. Elle devient une bibliothèque. Il s'agit de l'église des Dominicains. Et à l'occasion de son réaffectation, de son réaménagement, tous les vitraux qui occupaient cette église sont vendus. Et la fondation de l'œuvre Notre-Dame prend alors l'initiative de racheter l'ensemble de ces vitraux. Vous savez sans doute que la fondation de l'œuvre Notre-Dame a pour vocation de travailler essentiellement à la restauration, même uniquement à la restauration de la cathédrale de Strasbourg. Et donc l'acquisition de ces vitraux allait naturellement conduire à installer un certain nombre de ces verrières dans la cathédrale. C'est ce qui a été fait pour une chapelle construite en symétrique de la chapelle Sainte-Catherine, qui s'appelle la chapelle Saint-Laurent, construite au nord de l'édifice, sur le flanc nord de l'édifice, construite en 1515-1521, et dont les verrières qui avaient sans doute existé auparavant, qui ont été réalisées en même temps que l'édifice, ont disparu à la Révolution, détruites par le vandalisme révolutionnaire. Il a été décidé, grâce à l'acquisition de ces vitraux de l'église des Dominicains, de les réinstaller, donc de les recomposer pour orner les fenêtres de cette chapelle Saint-Laurent qui est donc entièrement équipée avec ses vitraux, sauf sa fenêtre ouest qui est aujourd'hui équipée avec des vitreries blanches. Là, vous en avez une vision d'ensemble. Mais parmi ces vitraux récupérés de l'église des Dominicains, une notamment est venue occuper
une des baies de mon bras sud du transept, encore une fois, comme je vous le disais, qui concentre une grande partie de l'histoire des vitraux de cette cathédrale, pour venir s'adapter parfaitement à la fenêtre qui préexistait, bien sûr, donc à la suite d'un travail important de recomposition, mais assez proche du relevé dit original qu'avait produit l'architecte qui, au XIXe siècle, avait racheté ces vitraux pour les réinstaller dans la cathédrale de Strasbourg. Et chose singulière, parmi ces vitraux des dominicains, dites des dominicains, un grand nombre sont malheureusement encore conservés dans des caisses, dans un grenier. J'espère qu'un jour qu'on saura mieux les mettre en valeur. Et certains d'entre eux, pour les occuper, pour ne pas les laisser dans les caisses, ont été installés dans ce qu'on appelle la galerie de cloître, qui est une galerie qui est à l'est de l'édifice, qu'une galerie qui est inévisitable que depuis très peu de temps, qui servait de débarras jusqu'à présent, et qui comportent des fenêtres qui à l'origine étaient ouvertes, ne comportaient pas de vitrage, qui dans un deuxième temps ont été vitrées sans doute pour des raisons de conservation de la chaleur et de confort, et qui dans un troisième temps ont servi de support à l'installation d'une partie de ces vitraux des Dominicains récupérés, mais selon un ordre relativement peu contrôlé, et nous sommes livrés à un petit exercice pour essayer de comprendre, parmi les relevés qui avaient été faits de ces vitraux des Dominicains, comment ils avaient été réinstallés dans ces fenêtres de la galerie de cloître. Alors on se rend compte que c'est relativement désordonné. Il se trouve que parallèlement à l'étude du bras sud du transept, nous travaillons également à l'étude de cette petite galerie, et dans le cadre de cette étude, nous interrogions sur la façon de peut-être mieux organiser ces vitraux, en profiter pour les restaurer, mieux les mettre en valeur et les rendre plus lisibles. Mais on voit bien qu'il y a une contradiction majeure dans cet exercice, qui est que ces fenêtres sont des fenêtres plutôt larges et pas très hautes, alors que les vitraux venant de cette église dominicaine était plutôt adaptée à des fenêtres très élancées, donc ce qui avait conduit à cette mise en forme un tout petit peu désordonnée. Mais vous le verrez, bon, nous avons fait un certain nombre de propositions. Dans l'histoire des vitraux de la cathédrale, il y a aussi une étape importante qui est une dépose complète, puisque au moment de la guerre, il a fallu, et c'était une bonne chose, mettre à l'abri les vitraux, ce qui a conduit, après coup, à les remettre en place. Donc quand on les a remis en place, on les a sans doute aussi un petit peu recomposés, on les a sans doute un petit peu restaurés. Prenons ce mot-là avec prudence. Je pense qu'au fur et à mesure des générations, on n'a pas toujours donné le même sens au mot « restaurer ». Aujourd'hui, c'est beaucoup conservé. Il y a 50 ans, c'était peut-être un petit peu moins conservé, beaucoup réadapté, réinstallé, ce qu'on ne se prise quand même pas de faire encore aujourd'hui. Mais après ces campagnes du 19e siècle, après ces réinstallations d'après la guerre, on a continué à créer des vitraux. Et alors, notamment en 1956, alors celle-là j'en ai pas d'image, mais il y a, un grand vitrail qui a été installé dans l'axe majeur de l'édifice, hein, dans le chœur haut, hein, pas dans la crypte, et c'est un vitrail qui est à l'honneur de l'Europe, qui a été payé et offert par le Conseil de l'Europe, dans le bras sud du transept, qui est encore une fois l'objet sur lequel je travaille. Attendez, excusez-moi, ça saute tout seul. Je vais juste le situer. Voilà, il s'agit des baies 108 et 110, donc à l'extrémité du bras du transept, sachant que ces baies avaient disparu, avaient été remplacées par de la vitrerie blanche. Et là, en 1977, le maître verrier Gruber produit ces vitraux qui, bon, peuvent paraître peut-être un peu démodés par rapport à la mode de l'écriture picturale, mais qui sont, à mon sens, d'une grande qualité, qui témoignent de leur
l'époque et qui sont tout à fait à leur place. Et comme je vous le disais, donc en 2015 sera installé un vitrail contemporain dont la réalisation est en cours, pour lequel donc bien sûr je n'ai pas d'image puisque c'est une opération qui se poursuit. Parallèlement à cette vision historique très rapide hein, pour prendre connaissance de des vitraux de la cathédrale de Strasbourg, pour situer aussi mon intervention dans le cadre de la restauration du bras sud du transept, j'ai essayé de comprendre comment avaient progressé les techniques de restauration, de conservation sur les vitraux de la cathédrale. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement les techniques que nous prônons tous aujourd'hui, qui nous semblent naturelles, sont arrivées relativement tardivement à la cathédrale, pour lequel j'ai retrouvé dans les archives du service des monuments historiques le témoignage des travaux qui avaient été effectués. Donc là, vous avez un exemple avec en jaune les verres qui ont été remplacés, sachant que tout le reste de la verrière a été nettoyé, dépoussiéré. Alors, selon des techniques qui ne sont pas toujours suffisamment précises pour que je puisse le dire avec certitude, mais selon des techniques qui, petit à petit, ont été améliorées grâce toujours à la collaboration avec le laboratoire de recherche des monuments historiques. Et là, je donne juste en témoignage cette page d'un courrier que Jean-Marie Bettembourg, qui a beaucoup travaillé sur cette question de la conservation des vitraux et notamment sur la mise en point des doubles verrières au sein du LRMH, écrit à l'architecte en chef des monuments historiques pour lui conseiller de travailler selon cette nouvelle technique qui est en train d'être mise au point. Ce qui veut bien dire que ça n'est pas encore le cas. Et à l'époque, c'est une photo actuelle, du côté nord de la cathédrale, toutes les verrières sont protégées par des grillages, alors qu'encore une fois, vous l'avez vu par le plan historique, il s'agit de verrières du XIIIe, du XIVe siècle, donc qui sont extrêmement précieuses pour l'histoire de l'art, pour la conservation de ce matériau très fragile qui fait l'objet de notre réflexion aujourd'hui. Mais très vite, alors je dis, vous voyez, là c'est un plan d'octobre 2006, quand je disais 15 ans, c'est même moins que ça, c'est même plutôt 10 ans, c'est les premiers dessins que j'ai pu retrouver sur l'intervention de l'art, donc là de mon prédécesseur, Christian Schmuck-Mollard, qui est la première à avoir introduit la pratique de la double verrière sur les vitraux de la cathédrale de Strasbourg. Alors c'est l'histoire dans laquelle je m'inscris, bien évidemment. Et ça m'a permis aussi, grâce au plâtre qu'elle avait essuyé, hein, c'est la logique de l'histoire, de comprendre les problèmes qui pouvaient se poser, les solutions qui pouvaient être trouvées, et toujours avec le laboratoire de recherche des monuments historiques, de voir à travers le suivi qui est opéré sur les verrières qui ont été traitées de cette façon, les points qui peuvent encore sans doute être améliorés. Sachant que tous les cas de figure ne sont pas identiques et qu'il faut à chaque fois savoir s'adapter. Alors, vous connaissez tous le principe de la double verrière. En fait, le principe consiste a priori à le vitrail, enfin je veux dire en deux mots, mais je pense que tout le monde le sait, le vitrail ayant sa place de fermeture, donc ça c'est ma perception d'architecte, il faut remettre une verrière qui remplit ce rôle de fermeture. Et le vitrail devient comme un objet exposé, comme dans un musée, au-devant de cette verrière qui, elle, remplit sa fonction de fermeture, mais qui, de l'intérieur, donne l'illusion qu'elle est la verrière de fermeture pour que, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, on ait toujours la perception de sa verrière dans sa fonction première, qui est double, donc de fermeture, et d'offrir une iconographie riche sur laquelle bien d'autres confrères savent mieux expliquer que moi.
Et là, le point qui est à Strasbourg a été traité, à mon avis, de façon convenable, mais qui a suscité beaucoup de débats, est que pour nous, pour les architectes, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, les vitraux sont faits bien sûr pour être vus de l'intérieur, mais en même temps, ils offrent à l'extérieur une matière, une texture, une résille de plomb qui n'est pas faite pour être lue, n'est pas faite pour lire l'image, mais qui est indispensable, à mon avis, à l'harmonie générale de l'édifice vue de l'extérieur. Et là, l'exercice auquel s'est livré ma consœur, Christiane Schmuckle-Mollard, était de réaliser sur, excusez-moi, je passe assez rapidement les images, mais de réaliser sur la verrière de doublage, de proposer une lecture de la densité de plomb de la verrière originale pour que de l'extérieur on ait cette lecture de l'édifice. Alors, ça a suscité plusieurs remarques parce que finalement, c'est vrai que tout n'est pas parfait. Donc, je vous livre aussi les questions auxquelles on est confronté, c'est-à-dire que la résille de plomb qui est à l'extérieur fait comme un écho à la résille de plomb qui est à l'intérieur et peut produire dans la lecture du vitrail depuis l'intérieur, puisque c'est de l'intérieur que le lit vitrail, une espèce de dissonance, une espèce d'écho, une espèce de gènes liés à la présence des plombs qu'on lit deux fois finalement et de façon un petit peu décalée. Et puis de l'extérieur, c'est vrai que une autre critique qu'on a entendue qui était que de l'extérieur, la résille de plomb sur des verres blancs n'est pas tout à fait du même effet que la résille de plomb sur des verres colorés qui ont une forme d'opacité vue de l'extérieur. Et du coup, cette écriture est, il est vrai, un petit peu artificielle. Donc, on n'a pas j'ai pas la science infuse, il n'y a pas de solution parfaite, mais j'avoue que la démarche qui a été celle de ma consœur de travailler à la restitution de la résille de plomb à l'extérieur pour ne pas casser l'harmonie de l'édifice, y compris dans cette vision de l'extérieur, est un sujet auquel je suis sensible et que je suis en passe de reproduire quand même encore aujourd'hui. Alors, quand je disais que plusieurs cas de figure se présentent, il est vrai que la meilleure place pour la verrière de doublage est à la place où était le vitrail auparavant. Mais ça n'est pas toujours possible, parce que l'état des feuillures ne permet pas toujours ce cas de figure. Et notamment sur le bas-côté sud, alors c'était l'atelier Parot, je cite les documents des personnes qui ont travaillé, donc c'est Pierre-Alain Parot qui était le verrier et Christiane Schmuckle-Mollard qui était l'architecte. Et cet exemple est intéressant puisqu'il a fait participer également la fondation de l'œuvre Notre-Dame. Et dans le cas de plusieurs de ces verrières, la verrière de doublage devait être mise en avant, c'est-à-dire vers l'extérieur de la position initiale du vitrail, le vitrail devant rester dans sa position initiale. Il a fallu réfléchir à la façon de contourner un chapiteau d'un des jambages de cette fenêtre pour permettre l'étanchéité indispensable à la constitution du système, sans bien sûr aller entailler ces chapiteaux du XIIIe siècle qui sont encore en place. Et là, c'est vrai que la présence de la fondation de l'œuvre Notre-Dame, capable de faire des moulages, des maquettes, d'accompagner tous les travaux qui sont réalisés dans le monument, est une aide extrêmement précieuse. Le sujet que j'évoquais à l'instant de la densité de plomb, si vous voulez, est celui qu'on voit. Alors évidemment, là je vous montre ces photos qui sont un petit peu caricaturales et qui montrent la difficulté, je dirais, de l'exercice. C'est-à-dire qu'à la fois de l'extérieur, la résille de plomb présentée est conforme à l'aspect général de la fenêtre, et il est vrai que quand on voit la photo de détail, on voit le problème de l'écho que pose la superposition des deux résilles de plomb, sachant qu'elles sont décalées de quelques centimètres et que donc la lecture se fait toujours de biais
ne se fait jamais dans l'axe, et il y a là un problème de lecture qui ne se pose pas de façon aussi accrue que ce que je montre sur la photographie. La photographie, là, montre une forme caricaturale hein, de ce problème. Et puis, rapidement, j'évoque nos recherches et nos travaux sur les fenêtres du bras sud du transept, avec ces personnages issus de la cathédrale romane, réinstallés dans les verrières gothiques, avec l'étude des doubles verrières, pour lequel, dans ce bras sud du transept, encore une fois, nous rencontrons plusieurs cas de figure, et notamment le cas de figure qui impose de garder le vitrail, de mettre la verrière de doublage en avant du vitrail, ce qui posera un certain nombre de problèmes de chantier. Je passe assez rapidement parce que je pense avoir dit à peu près l'essentiel de ce que j'avais à dire, et j'en viens rapidement à la question de cette galerie de cloître. Donc vous reconnaissez peut-être le chevet de la cathédrale de Strasbourg, que personne ne connaît puisque ce n'est pas un endroit visitable. C'est un endroit charmant avec un jardin qui est en fait dans la cour du séminaire qui est accolé à la cathédrale, et la galerie qui me préoccupe avec ces vitraux qui viennent des Dominicains sont les fenêtres qu'on voit sur la photographie de droite, les fenêtres en plein cintre, qui sont occupées, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des éléments de vitraux des Dominicains organisés, réorganisés d'ailleurs par un de mes antéprédécesseurs, mais qui comportent encore un certain nombre de dissonances qu'on pourra peut-être corriger, on le verra. Donc, je reviens rapidement, je vous donne rapidement ces éléments-là, c'est-à-dire qu'ici, on voit comment les vitraux ont été réorganisés par l'architecte en chef des monuments historiques à l'époque, alors qu'il avait hérité d'une cacophonie énorme. Nous avons réfléchi, nous aussi, à continuer à travailler sur cette réorganisation, sur une idée d'Alain Parot. D'ailleurs, on se disait que même un des motifs pourrait être installé comme un élément muséographique à l'extrémité de la galerie. C'est le dessin que vous avez, qui est en bas de la planche qui vous est présentée là. On avait évoqué aussi l'idée de peut-être ne présenter que certains personnages qui donneraient peut-être une mise en valeur plus adaptée finalement à ces vitraux, puisque ces vitreries ne sont pas du tout au format et aux proportions des fenêtres dans lesquelles sont installées. Mais je l'avoue, on a même imaginé d'autres hypothèses qui consistent à ne plus présenter les vitraux des Dominicains dans cette galerie. Voilà, je vous remercie.